Très très réussi. Et évidemment, on va remercier les partenaires de cet événement, Innov Campus qui nous prête ses locaux exceptionnels, le Ivy Sport pour l'aide au Théo, avec représenté par Mick Jagger juste ici et Luta. Évidemment aussi les sponsors d'Asura, Level Up, Esport Voyage et aussi Mistral qui nous aide à avoir un stream de qualité. Alors qu'on est parti pour cette loser quarter entre Widado et JB, mesdames et messieurs. C'est parti pour une qualification top 4. On est parti du coup, le dernier Toulonnais en vie, le dernier envahisseur qui est encore en vie, Franck, venant de tomber, Valve ayant perdu juste avant, il me semble, face à Widado, donc qui a fait tout son chemin jusqu'en winner semi, perdu face à un Tico qui était très clairement beaucoup trop chaud aujourd'hui, qui a entraîné des matchs tellement serrés, et là ça va être un match très intéressant. Accord à corps, JB va juste lui mettre des dingueries à longue distance. Widado va sûrement lui mettre des setups de dingue. Il ne faut pas perdre. Oh non, l'esquive. Ah là, pour l'instant. Oh, faut pas paniquer comme ça là. Sinon, t'es foutu d'avance face à Zelda. Elle a ce genre de choses qui peut te faire paniquer. Elle a ce genre de setup où si t'es pas à l'aise, elle va vite te casser la gueule. Attention à Roll. Tu ne rolls jamais face à JB. Le coup de boule n'est jamais très loin. On appelle le crâne chaud dans le milieu. Il est fou lui. Mais alors que oui, on est bien positionné à cette fois pour vous d'attendre. Oh, monsieur. Oh, le talon explosif directement dans la cascade de ce bon vieux moustachu. Et il continue, il attend l'air dodge, elle est pas venue. Allez, Baxro peut-être pour se donner un peu d'air. JB là-dessus qui doit absolument récupérer ses stocks là à 151%. Envie de mourir littéralement ici, mon compatriote. Ok, le up smash classique. Mais le up smash là-dessus qui a enfin récupéré la stock, mais on est c'est tard. Qu'est-ce que c'est tard? Attention ici, on cherche des backers, mais la moindre erreur de placement va bien se faire punir par Widado. Il est très fort là-dessus. Voilà, il essaye toujours de reculer. Attention au petit. C'est le défaut de JB dans son jeu. Il aime trop sauter, le désavantage. Voilà, il aime trop utiliser absolument tous ses. C'est jamais fini. On rappelle que c'est le pire move de Mario, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? On se fait là-dessus qui peut peut-être retourner la game. C'est Widado ensemble, mais il a l'air bien installé. Il va pas la laisser passer cette game. 92% à aller chercher pour JB dans un premier temps. On se replace ici. On va essayer de gagner un peu d'espace avec ce flood ici. Très efficace. On va attendre en landing. Est-ce qu'on trouve le fer? Oui, pas de spike. C'est pas grave. On était au-dessus du terrain. Pas placé et de manière parfaite. Là, côté JB, un petit neutral B voilà, pour calmer les ardeurs de ce Mario. Attention au moindre setup, le moindre move. Zelda, ça tape fort. Zelda, ça tape dur. Mario également qui commence à mettre beaucoup de pression ici, qui commence à bien tourner autour. Widado qui commence à ralentir son jeu. Il n'arrive plus à trouver les réponses ici. Un upper, on n'a rien derrière. JB peut-être neutral B. Attention à ce down smash. Très très bien placé ici, on prend son temps côté JB, ici on shield bien, on avance petit à petit, on essaye de se replacer, le fantôme, on recule, c'est pas grave, le shield est petit quand même, on prend de l'espace du coup, on trouve le forward smash qui va couvrir donc ce back air. Aïe aïe aïe, ce premier duel remporté par Widado, du coup 1-0, mais JB qui est tellement bien revenu sur la fin de cette game, notamment après ce spike en second stock, qui était vraiment mais vraiment... très clutch, un tournant dans cette game vraiment où le momentum s'est complètement inversé, on a rééquilibré les forces et là ça s'est joué à un ou deux neutrales près, hein, vraiment. Mais là du coup, JB qui va être sur son counter pick pour essayer d'égaliser hein, face à cette Zelda qui pose des problèmes. Pas tant de problèmes parce qu'il a réussi à s'adapter. Pose des problèmes, mais on a failli faire un 3 stock comeback, hein, il me semble. Mais c'est ça, on a failli reverse 3 stock, pas de soucis, mais... changement de stage. Mesdames et messieurs, combat, up B, runner, up smash, classique. Tout ce que Mario va aimer. Exactement, il aime trop et surtout le fantôme va couvrir moins de parties du terrain. On pouvait croire qu'un terrain plus grand ça avantage les Zelda parce qu'elle aura plus d'espace, etc. Elle va pouvoir mieux camper, mais du coup le fantôme va couvrir du coup moins d'espace parce que tout à l'heure sur Holo Bastion, le fantôme à lui tout seul il prend facile les trois quarts et du coup on peut plus respirer, on peut plus se déplacer. Ici en revanche on aura de l'espace, les extens avec la plateforme un peu trop haut pour ça, on n'arrive pas à catcher. Le landing, c'est pas grave ici, on prend son temps. Les drifts de JB sont excellents ici, on ne laisse rien passer. Excellent downer. Est-ce qu'on trouve autre chose ici en landing peut-être? Le back air est très très bon ici.
Qu'est-ce qu'on fait? Position de left trap. On attend pas la roulade. J'ai entendu ce que j'ai entendu. De quoi? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a crié le backer et il y a quelqu'un qui a dit excellent tournoi. Merci pour ça. Merci. Inscrivez-vous au backer évidemment. Oh là là. Monsieur n'arrête pas une occasion, mais. Jamais. Et il a raison parce que là, pour l'instant, c'est Widado qui pousse et qui est en position de left trap. On a inversé les positions avec un gros commit là au neutral B. Mais il arrive quand même à bien s'en sortir. Même neutral B, on a rendu la monnaie. Backstroll là-dessus, ça prend pas la stock. On est quand même avec des positions. Les mixeurs d'entre vous qui étaient bons, il y a plus de saut là-dessus. Et fantôme, on va tout couvrir. JB qui n'avait plus d'options ici. Oh, le up smash mon gars, prends ton coup de boule. Et il a rééquilibré tout de suite les rapports de force. Là 13%, 16% sur la deuxième stock. C'est un set de niveau équilibré mesdames et messieurs qui se joue sous yeux pour une qualification en top 4. Exactement. Adieu au secours là. C'est terrible. Allez, qu'est-ce ici, qu'on fait attention. Neutral B, oh là là. Backer, oh, encore une fois ce neutral B qui agit comme un chat, il a littéralement de mêlée pour repousser l'adversaire. On tient bien les distances, on n'approche pas trop, on reste loin. On ne veut pas trop connu parce qu'on est en retard niveau des pourcentages. C'est que du B, on ne veut pas. Alors en smash, c'est très sec, c'est bien stressé, le petit gars peut repousser encore une fois. 88%. Oh, la cape était une bonne idée. Upper. On va attendre un peu. On va encore se faire avoir par ce neutral B. On a du mal de upper. On va attendre un peu la réaction de Widado. Mais Widado est très attentif à son désavantage. Le F-Smash, on n'aura pas eu le sweet-spot, je crois. Mais en tout cas, donc, ça ne tuera pas ici. On a raté ça. On a raté son F-Smash. On va se faire grab ici. Oh, upper, la mauvaise DI. On ne connaît pas apparemment. Cette down throw du côté de JB, du coup le upper était gratuit côté Wida. Qu'est-ce qui se passe avec les jabs ici? Je ne sais pas. Très très bon backer de la part de Mario ici. Est-ce qu'on en trouve un deuxième? Je ne sais pas. Le upsmash ne touchera pas. Attention ici, très très bon neutral air. On va envoyer off stage JB, c'est compliqué. C'est bon, juste une air dot sur la plateforme ici. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est dur là d'approcher. On a déjà pris 40%, on trouve pas le kill ici. Zelda elle se place juste trop bien. Le grab est très très bon, pas de upper, pas de forward there non plus. Forward smash, c'est bon, on réagit bien côté JD. Maintenant il faut le trouver ce kill. Depuis tout à l'heure on s'en fout bien. Down smash, bon pourquoi pas un grab ici. Autant qu'on a une punish, c'est déjà pas mal j'ai envie de dire. Non, on n'essaye pas de tout frame ici, on sait que ça peut toucher, on n'arrive pas à trouver non plus le smash à l'edge ici, pas de finish ici. Non, c'est beaucoup trop tard. Et oui, Dado qui continue à s'enfuir ici, qui est toujours en vie malgré ses 160%. JB n'arrive pas à trouver le moindre backer, le moindre up smash face à un désarroi. Allez, enfin. Mais c'est bon, on arrive à couvrir le saut avec cette upper. Enfin, enfin, parce que c'était vraiment très très tard, 85%. Oh, pas safe on hit mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là 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 là, tu te fais toucher, pas grave, landing talon là, bam, directement là, dans la babouche. Ça se passe mal là. Ah, ça se passe très mal là, là ça pour se passe Toulon. Très très mal. Hein. Toulon est en train de pleurer alors que Nice évidemment est en la Mistral chaussure évidemment. Aïe 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 aïe. Toulon au dos au mur. Dos au mur, doit tout remonter. Reverse 3-0 pour tenter de rester en vie dans ce bracket qui pour l'instant est dominé par les Niçois, on rappelle. Et c'est parti, la victoire encore une fois sur Pokémon Season 2. Ce donner qui était complètement aspiré par le truc de la Zelda qui là vraiment fait un mur de boss. Allez, on a enfin trouvé un grab. Donner maintenant ne s'est pas connecté. Et ce neutral D combo breaker hein, encore une fois. Ouais, c'est encore terrible, une fois. Hein. On a du mal à jouer autour encore côté JB. Mais pour l'instant ça va, on a un bon début. On va le laisser faire ses neutral D en paix. On a des petites phases d'avantage, rien d'exceptionnel, mais c'est des pourcentages. Bienvenue encore une fois ce neutral D, on l'oublie peut-être un peu, on va double jump tout en haut pour éviter de se prendre quoi que ce soit. Attention, le neutral air bien puni ici. JB. Oh ce upper, on a sauté pile au bon moment pour l'esquiver. Heureusement. Heureusement, parce que ça aurait pu être vraiment dramatique. Là, JB qui a un petit lead, allez, un petit peu lead. Est-ce qu'on peut le concrétiser? Peut-être avec ce grab, il nous donne avantage. On va être encore une fois en position de l'estra, peut-être d'être garde. Non, on va pas pouvoir rester sur le bord, etc. Oh, il n'a pas eu le temps de cap, il n'a pas eu le temps de cap. Le fast fall très efficace. Ici, le neutral B qui va permettre de délayer un tout petit peu pour éviter de se prendre ce F-Smash de peu. Attention, c'est risqué. On peut pas le punir en revanche lorsqu'il est bien spacé comme ça. Les deux, un backer, un forward tilt de l'autre.
Ici on cherche, on commence à chercher les liquid moves, excellent backer de la part de JB. Ici encore une fois, ce upper n'est jamais très loin. Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose? On peut pas punir ce neutral B, du coup on va se faire cross up et on va prendre ce backer. Widado qui prend le lead encore une fois dans sa dernière stock. Le downer était pas loin, mon dieu, les pourcentages montent tellement vite sur Zelda. Les setups meurtriers sont jamais très très loin avec ce joueur, c'est un truc de fou, t'as tout le temps peur. Alors que là, mais encore une fois, comme à la game précédente, les pourcentages sont très très hauts. Oh, heureusement qu'il y a ce upper, mais quand même des pourcentages très très hauts avant de prendre le kill pour JB. Et c'est en train de faire la différence dans ce set qui, pour l'instant, JB est complètement en retard. Et là, le deuxième upper qui a failli toucher, on a bien le stage control, on espère les mouvements, je vais pas avoir, parce que là, il y a grave, elle est tonnerre. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Non, on reste bien, on ne veut pas trop commit. Parce que là, on sait que c'est la dernière game, la dernière chance de JB dans ce la très bonne upper, rive. Upper, upper, le upper. Est-ce qu'on y va? Ça devrait pas tuer, mais c'est des bons pourcentages, je pense qu'on prend et on se met en confiance. On arrive enfin à mettre une grosse phase, un bon extend avec les plateformes. Aïe, aïe, aïe. Ça, de bon upper, pas de downer. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé côté JB? Oh, malheureusement, on s'est complètement perdu et ça profite à Widado qui, du coup, prend un gros lead. Oh, on n'a pas le jab reset, malheureusement. Et il va essayer de pousser la JB parce qu'il va lui faire beaucoup de force. Pas trop peut-être là-dessus. Position de jab. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on reste dans le corner. Du coup, l'edge trap, le nerf pour repousser. Oh, la tête qui sur la plateforme. On s'en sort bien avec Widado. Oh, up smash. Seulement 40% de récupérer. Tout peut aller très vite. Tout peut aller très vite ici. On va bien double jump. On va bien faire attention. Pouvoir essayer de reprendre le neutral tranquillement. On se remet dans la game ici. Oh attention, le petit dash dance pour essayer de bait, mais on a du mal à bouger là face à Widado, les fantômes qui prennent beaucoup d'espace. Où est l'ouverture? On n'y arrive pas. Voilà, il empêche de se déplacer de manière libre. On perd un peu du coup en pression côté Mario. Oh, attention les phases. Attention les phases, monsieur. Attention les phases, monsieur. On va pas réussir à suivre jusqu'au bout. Le B qui trouvera pas le sweet spot. Les pourcentages commencent à monter très très vite. Encore une fois, ce neutral B pour delay, pour éviter de prendre ce up smash ici. JB qui essaye, voilà, de se libérer. Widado qui continue à essayer de fermer son jeu, à couvrir ce qu'il faut. Attention, aïe, aïe, très très bonne ouverture ici avec cette boule de feu. Ce neutral air, on n'a plus le flood. En revanche, c'est le moment pour Widado peut-être de tenter quelque chose, notamment avec cette B. Attention, Widado élimine le dernier envahisseur. 3-0 et un bisou sur le crâne de JB. Aïe aïe aïe, Widado. Bien joué à Widado. Qui s'envoie en top 4 de cet Asura Tournament numéro 1. Et c'est un top 4 100% niçois.